Bonjour, la série 10 avait corrigé l'exercice 1, un dioptre sphérique équivalent à l'œil normal au repos et de rayon 5,6 mm et d'indice 1,337. La rétine se situe à 16,6 mm du centre de ce dioptre. Calculez la puissance au repos de cet œil et que devient cette puissance lorsque l'œil accommode pour regarder un objet situé à 25 cm. Pour répondre, commençons par dessiner l'œil au repos qui est équivalent à l'œil normal. Nous avons la longueur de l'œil, c'est du sommet de l'œil jusqu'à la rétine. L, donc c'est égal à OC plus CF'. De O jusqu'à C, c'est le rayon du dioptre, c'est 5,6 mm. Maintenant, de C jusqu'à F'. Quand on lit la phrase, la rétine, elle se situe à 16,6 mm du centre de ce dioptre. Le centre, c'est C. Et la rétine, c'est ce qui est en rouge. Donc, de C jusqu'à la rétine, c'est égal à 16,6. Et donc, la longueur, c'est 5,6 plus 16,6, donc 22,8. La puissance de cet œil au repos, c'est une puissance lorsque l'objet, on la calcule lorsque l'objet est à l'infini. L'œil au repos, objet à l'infini, et donc ce sera une puissance minimum. Rappelons les formules qu'on a faites au cours. La puissance minimum, qu'on écrit aussi D infini, l'infini c'est pour dire qu'on voit à l'infini. Qu'on écrit aussi D indice R, R c'est pour repos. C'est N-1 sur grand R ici c'est le rayon de l'œil. Et c'est égal à N sur L. Dans le cours on avait vu c'était N sur L moins grand R. Grand R c'est la proximité du PR. Mais la proximité du PR pour cet œil-là, c'est un œil normal. La proximité du PR grand R c'est égal à 1 sur PR. PR, c'est l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. C'est pour cela que ça devient N sur grand L. Et c'est égal à, on remplace et on trouve 60,2 dioptries. Maintenant, pour lorsque la puissance, lorsque l'œil regarde des objets situés à 25 cm, ça devient une puissance maximum, comme dans le cours. L'objet, donc, il sera au PP. 25 cm, c'est PP pour un œil normal. Et la puissance max, ça s'écrit N sur grand L moins P. L, c'est la longueur de l'œil et P, c'est la proximité du PP, c'est-à-dire l'inverse du PP. Voilà, on remplace le PP étant à 25 cm, c'est-à-dire PP égale à moins 25 cm et on obtient la valeur de 64,2 dioptries. L'exo 2, la distance minimale de vision distincte d'un œil normal devenu légèrement presbyte vaut 50 cm. Quelles sont les distances focales et la vergence de la lentille qui lui permettra de voir des objets situés à 25 cm? D'abord, donc, le PP est égal à moins 50 cm. Voilà. La distance focale, etc. pour la deuxième, pour la question, on va considérer les deux cas. Il n'a pas dit si les lentilles sont de contact ou bien situées à 2 cm. On va étudier si les lunettes sont situées à 2 cm de l'œil. On fait appel à la formule qui est écrite dans le cours, puisque c'est un œil presbyte. VL, la vergence de la lentille, c'est égal à 4,34 plus 1 sur PP plus D. PP, c'est moins 50 et D, on va prendre 2 cm, c'est-à-dire 0,2. On remplace et on obtient 2,26 dioptries. Cette lentille, elle est convergente. Maintenant, si c'est une lentille de contact, pareil, on fait appel aux formules et on trouve VL égale à 4 plus P. On remplace grand P, c'est l'inverse du PP et on obtient 2 dioptries. Pour cela, pour la presbytie, on corrige avec une lentille convergente. Sauf cas particulier, quand il s'agit d'un myope devenu presbyte, à ce moment-là, ça ne devient plus absolument convergent, ça dépendra. Voilà. Mais si c'est un œil normal devenu presbyte, la presbytie, c'est des lentilles convergentes. L'exercice 3, une personne ne voit nettement que les objets situés à une distance de 35 à 210 cm. Quelle devrait être la puissance de chaque partie des verres bifocaux placés à 2 cm de l'œil pour que cette personne puisse voir des objets éloignés et lire à 25 cm? La première phrase d'abord, si cette personne ne voit nettement que les objets qui sont situés à une distance, à une distance de quoi? De l'œil. C'est-à-dire l'œil et devant lui, il y a une distance de 35 à 210 cm. Il s'agit de quelle amétropie? Ça ne peut être que la myopie. Pourquoi? Déjà, le PR, il est rapproché. Le PP, ici, il est à 35. Donc, ce n'est pas uniquement une myopie, on va considérer ça. L'essentiel, ça ne peut pas être une hypermétropie, parce que pour l'hypermétropie, on sait que le PR est virtuel. Mais là, on nous dit, les objets, ils sont situés à une distance de l'œil. Il ne le dit pas, mais nous, à une distance. Voilà, l'œil, et la distance, elle est devant l'œil. Il voit l'œil à 35 et à 210. Donc, ça ne peut être qu'une myopie. Et on écrit les informations. PP, c'est moins 35 et PR est moins 210. Et aussi, cette myopie-là, elle est aussi augmentée d'une presbytie parce que le PP n'est pas à moins 25 cm. Il est
ou bien parce que pour le pupille de l'œil myope, c'est moins de 25. La distance minimale de vision distincte, elle est de moins de 25. Là, c'est un myope qui est devenu presbyte, c'est-à-dire que le pupille, il s'est éloigné jusqu'à atteindre 35 cm. Donc la distance minimum de vision distincte, elle est supérieure à 25 cm. On va faire la correction pour la vue de loin. Donc pour cette correction pour la vue de loin, on fait appel aux relations dans le cours, c'est-à-dire l'inverse de PR plus D, la vergence, et on obtient la valeur qui est de moins 0,48 dioptrie, donc c'est une lentille divergente. Comme prévu dans le cours pour un myope, la lentille elle est divergente, on corrige avec des lentilles divergentes. Maintenant pour la vue de près, on va voir ce qu'on va trouver. On applique la relation 4,34 plus 1 sur PP plus D, en remplaçant PP par sa valeur, et on obtient cette relation, cette valeur-là qui est 1,30 dioptrie. Donc ce n'est pas une lentille divergente, c'est une lentille convergente. Pourquoi? Parce qu'il y a la presbytie. Il y a la presbytie, donc elle a agi sur sa myopie simple. Ce sera, donc, notons que pour une myopie simple, la lentille de correction est divergente. Mais dans ce cas, cette myopie, elle est augmentée du presbytie, d'où que la vergence n'est plus négative. Elle est donc, on ne peut plus prévoir. Donc c'est une vergence qui n'est plus négative et c'est tout. Et on calcule en fonction de ce qu'on va trouver. Maintenant, l'exemple 4, on considère un myope de 4 dioptries. En l'absence de correction, son PP se situe à 10 cm en avant de l'œil. Calculer son amplitude d'accommodation et ce sujet est-il presbyte? Et la deuxième question qui dit quelle correction lui sera nécessaire pour la vue de loin et quelle serait alors la nouvelle position du PP et conclure. D'abord, pour cet exercice, quand on le lit, on nous dit en l'absence de correction, son PP est à 10 cm. Ensuite, une fois que vous avez corrigé, quelle est la nouvelle position du PP? Ça veut dire que le PP, on peut lui changer sa position en fonction de la correction. C'est l'intérêt de cet exercice-là. Voilà, répondons à l'exercice. D'abord, on nous dit le myope, il est de 4 dioptries. Il ne dit rien d'autre. À nous de deviner. D'abord, quand on a fait le cours, on a vu que lorsqu'il s'agit de myopie, on dit grand R, qui est égal à la proximité du PR. Grand R est égal à 1 sur PR, ça représente le degré de la myopie. Et quand il s'agissait de l'hypermétropie, on avait dit que grand R, qui est égal à 1 sur PR, c'était le degré de l'hypermétropie. On avait vu aussi dans le cours que pour le myope, PR est négatif, pour l'hypermétrope, PR est positif. C'est-à-dire pour le myope, grand R est négatif, et pour l'hypermétrope, grand R est positif. Là, on nous dit un myope de 4 dioptries, ça veut dire que grand R est négatif, ça veut dire que grand R est égal à moins 4 dioptries. Voilà. Ensuite, maintenant, on nous donne la position du PP. Voilà. Donc PR, on devine. Donc à partir de grand R égale à moins 4 dioptries, on peut calculer PR, c'est-à-dire moins 1 sur 4, ça veut dire moins 0,25 mètres. Ensuite, nous avons le PP qui est égal à moins 10 cm et donc on peut trouver le grand P, l'inverse du PP, la proximité du PP. Tout ça pourquoi? C'est pour calculer l'amplitude d'accommodation qui est égale à A, c'est égal à R moins P. Donc PR, on nous a donné grand R, on nous a donné PP, on a deviné, donc on a calculé grand P à partir de PP. Maintenant, on peut calculer l'amplitude d'accommodation qui est égale à plus 6 dioptries. On nous a posé la question aussi, ce sujet est-il presbyte? On peut répondre de deux façons. De 1, le PP c'est moins 10, il est rapproché, donc ce sujet n'est pas presbyte. Sinon, de façon générale, puisque l'amplitude d'accommodation c'est 6 dioptries, et nous on avait vu que lorsque le sujet est presbyte, l'amplitude d'accommodation elle est inférieure à 4 dioptries. Donc ce sujet n'est pas presbyte. Donc de deux façons, le PP, on regarde la position du PP et on répond. Sinon, pour n'importe quelle amétropie, si l'amplitude d'accommodation est inférieure à 4 dioptries, ça veut dire que ce sujet est presbyte. Sinon, il n'est pas presbyte. L'exercice, donc pardon, pour la correction pour la vue de loin, on applique la formule tout simplement. Maintenant, on nous avait posé la question, quelle est la nouvelle position du PP? C'est l'intérêt de cet exercice-là. Remarquons que lorsqu'on a corrigé, quand on corrige en général un œil amétrope, quel est le but de cette correction? Le but, c'est d'amener les valeurs de cet œil-là, de R et de P, aux valeurs de l'œil normal. Pour l'œil normal, grand R, c'est 0, et grand P, c'est moins 4 dioptries. Donc un œil qui n'est pas normal, il n'aura pas ces valeurs-là. Pour un œil myope, c'est différent, grand R n'est pas égal à 0, et grand P n'est pas égal à moins 4 dioptries, tout comme pour le presbyte. Ou bien pour l'hypermétrope. On corrige, ça veut dire on essaye de ramener les valeurs de cet œil-là à R égale à 0 et P égale à moins 4 dioptries.
Pour l'œil myope corrigé, on l'a corrigé pour la vue de loin. La nouvelle valeur du R avant la correction grand R, c'était moins 4 dioptries. Une fois qu'on l'a corrigé pour la vue de loin, grand R, ça devient 0. Tout simplement, avant grand R, c'est moins 4. Une fois qu'on a mis les lunettes, ça devient 0. La nouvelle valeur de R, ce sera R' égale à 0. Tout simplement. Si on avait corrigé pour la vision de près, l'ancienne c'est P et la nouvelle ce serait moins 4 dioptries pour P. Corriger, ça veut dire ramener aux valeurs de l'œil normal. Maintenant, est-ce que l'acuité visuelle change? Non, l'acuité visuelle, c'est-à-dire l'amplitude d'accommodation, elle ne change pas. Ça dépend de l'élasticité du cristallin. Donc, on pourrait récapituler, corriger un œil amétrope, c'est ramener les valeurs grand R et grand P, c'est-à-dire la valeur du PP et la valeur du PR, à celle de l'œil normal, grâce aux lunettes. Par contre, l'acuité visuelle grand A, qui est l'amplitude d'accommodation, celle-ci, on ne peut pas agir dessus avec le port de lunettes. Ça reste toujours une valeur caractéristique de l'œil amétrope. Ça ne change pas, puisque A égale à R moins P ne change pas. On va dire, avant la correction A, c'était R moins P. Après la correction, c'est A égale à R' moins P', dans le cas où on aurait corrigé pour les deux. Écrivant cela, avant la correction A, c'est R moins P, c'est 6 dioptries. On a calculé dans la première question. Après la correction, qu'est-ce que ça va devenir? Ça restera toujours 6 dioptries, mais ce sera A égale R'. Voilà, donc R égale à moins 4, pardon, avant de poursuivre, avec R égale à moins 4 dioptries avant la correction et P égale à moins 10 dioptries avant la correction. Maintenant, après la correction, A, ça devient R' moins P' en formule, mais ça reste toujours 6 dioptries. R', c'est 0 et P', on va la calculer. Voilà. P', c'est égal, d'après A égale à R' moins P', donc P', c'est R' moins A et on remplace et on obtient la valeur de P' qui est égale à moins 6 dioptries. Une fois qu'on a obtenu P' égale à moins 6 dioptries, donc on peut calculer la nouvelle position du PP, c'est-à-dire PP', c'est 1 sur P', ça veut dire moins 1 sur 6, donc c'est moins 16,6 cm. C'est la nouvelle position du PP. Avant c'était moins 10, maintenant c'est devenu moins 16,6. Grâce à quoi? Grâce à la correction pour la vue de loin. On va dire que la correction pour la vue de loin a amélioré la vue de près. On a corrigé ce myope pour la vue de loin et on a obtenu un résultat meilleur pour la vue de près sans les corriger. Avec le port, avec les lunettes pour la vue de loin, il peut voir son PP s'améliorer. Maintenant, l'exercice 5, on nous dit un sujet présente une hypermétropie de 5 dioptries et une presbytie. Son amplitude d'accommodation A vaut 3 dioptries. Montrer que ce sujet ne peut jamais voir nettement et calculer la position de son PP après correction avec des verres de contact pour la vue de loin et ensuite déterminer la divergence des verres de contact qui corrigerait sa vision de près. D'abord, pour cet exercice, c'est un hypermétrope. L'hypermétropie est de 5 dioptries, ça veut dire grand R égale plus 5 dioptries parce qu'on sait que pour l'hypermétrope, le degré d'amétropie, le degré de l'hypermétropie est positif. Voilà, grand R est positif, c'est-à-dire 5 dioptries. L'amplitude d'accommodation, grand A, c'est 3 dioptries, grand A, c'est grand R moins grand P. Cela nous dit montrer que ce sujet ne peut jamais voir nettement. Donc, à partir de grand A et de grand R qu'on vient de nous donner, on va calculer la position du PR et la position du PP. D'abord, PR, c'est égal à l'inverse de R, ça veut dire 0,2 mètres. Déjà, le PR est virtuel, il n'est pas négatif, il est virtuel. Alors que pour un œil normal, le PR est réel, ça veut dire négatif et à l'infini. Ensuite, pour calculer la position du PP, nous avons grand A, c'est R moins P, donc grand P, c'est A moins R, et on obtient P, c'est égal à 2 dioptries, et on déduit de ça la position du PP, qui est l'inverse de P, c'est 0,5 mètres. Il est aussi virtuel. Le PR est virtuel. Pour l'œil normal, le PR est réel. Le PP est virtuel. Pour l'œil normal, le PP est réel et situé à 25 cm. Et pour l'œil normal, il est à l'infini. Donc ce sujet-là ne peut jamais voir nettement, si ce n'est avec un grand effort d'accommodation. Voilà, faisons une remarque. Maintenant, on nous a dit ce sujet, il est hypermétrope, il a une presbytie. Effectivement, quand on voit A, A c'est 3 dioptries, c'est inférieur à 4 dioptries. Il s'agit effectivement d'une presbytie. Comme on l'a dit pour le presbyte, A est toujours inférieur à 4 dioptries. Maintenant, si on corrige pour la vue de loin, on ramène R à la valeur normale. Comme on a vu tout à l'heure, la question, c'est calculer la nouvelle position du PP une fois qu'on a corrigé pour la vue de loin.
On commence par dire que si on corrige pour la vue de loin, on ramène R à la valeur normale. Quelle est la valeur normale? C'est 0. Une fois qu'on a, donc on a mis R' égale à 0. Et n'oublions pas que l'amplitude d'accommodation ne change pas. A égale à R moins P avant la correction. Et A, c'est R' moins P', ça garde sa valeur après la correction. Et à partir de là, on va faire comme on a fait pour l'exercice précédent. On remplace R' égale à 0 dans la formule de A égale à R' moins P' et on obtient P', c'est moins 3 dioptries. Et c'est moins 0,33 mètres. La nouvelle position du PP, elle est à moins 0,33 mètres. Tout à l'heure, c'était un PP virtuel, il est devenu réel. C'est-à-dire qu'avec la correction pour la vue de loin, on a amélioré la vue de près et on a changé la position du PP de virtuel à réel. La correction, donc, elle a amélioré la vue de près. Maintenant, il y a une remarque importante. Ici, on a calculé la nouvelle position du PP sans pour autant à calculer la valeur de la vergence de correction pour la vision de loin. On nous a demandé de calculer donc la nouvelle position du PP. On n'a pas été calculer la valeur de la lentille, de la vergence de la lentille qui va nous permettre de corriger la vision de loin. Non, on est allé directement dans les calculs qui nous permettent d'avoir P' à partir de R'. Bien sûr, si on veut vérifier et faire le calcul pour corriger la vue de loin, on va appliquer avec les... Il faut des verres de vergence, comme dans le cours VL égale à R, et on obtient la valeur qui est égale à 5 dioptries. Mais non, on n'a pas eu besoin de passer par là pour calculer la nouvelle position du PP. Pour maintenant la correction pour la vue de près, pareil, on applique la formule qu'on a eue dans le cours. C'est 4 plus P. On l'a calculé, c'est égal, donc on l'a capé, donc c'est 4 plus 2 et c'est 6 dioptries. L'exercice 6, un œil myope dans les limites de vision distinctes 110 et 20 cm à son sommet optique au foyer image d'une loupe de distance focale 3 cm. Entre quelles limites doit être comprise la distance d'un objet à la loupe pour que cet objet soit vu nettement à travers celle-ci et en déduire la latitude de mise au point dans ces conditions. Commençons par faire donc d'abord le schéma, ensuite nous avons AB, l'objet, on rappelle dans ce qu'on a vu dans le cours. Nous avons un objet AB qu'on voit à travers la loupe. Il va me donner une image A'B'. Cette image A'B', à travers l'œil, va me donner une image A seconde B seconde qui sera donc sur la rétine. Cette image A'B', bien sûr, elle sera agrandie parce que d'où l'intérêt de la loupe. Faisons le schéma. Donc, voici le schéma donc, qui explique les données. Nous avons l'œil, le sommet de l'œil, il est en F', comme c'est dit, il est son foyer. Son sommet optique au foyer image d'une loupe. La distance focale de la loupe, c'est 3 cm, donc de haut jusqu'à F', c'est 3 cm. Le PP et le PR, puisque c'est les limites de vision distinctes 110 et 20, ça veut dire PP égale à moins 10 et PR égale à moins 20. PP, c'est-à-dire du sommet de l'œil jusqu'à PP, nous avons moins 10. La distance entière, c'est 10. 3 plus 7, ça veut dire l'autre, il nous reste 7 cm entre haut et PP. Si de F' jusqu'à PP, c'est 10, de F' jusqu'à O, c'est 3, il nous reste 7 cm. Ensuite, de F' jusqu'à PR, c'est 20 cm. Effectivement, c'est 3 de O jusqu'à F' plus 17, ce qui reste, c'est de O jusqu'à PR. Maintenant, la question entre quelles limites doit être comprise la distance d'un objet à la loupe. L'objet, c'est AB. Donc, il nous demande de trouver les limites donc, entre pour la distance de l'objet à la loupe. La loupe, c'est O. On travaille par rapport à O. L'objet, c'est AB, ça veut dire A. Donc, on va trouver des limites. On va délimiter OA par une valeur inf et une valeur sup. On va dire OA entre quelque chose et quelque chose. C'est ça la question. Et à partir de là, on va déduire la latitude de la mise au point. Rappelons que A'B' joue un rôle intermédiaire, c'est-à-dire image de AB par rapport à la loupe et objet dans l'image et A seconde, B seconde par rapport à l'œil. Comme on vient de voir dans la diapo précédente, A'B', il joue le rôle donc d'objet par rapport à l'œil. Pour que l'image de cet objet se forme sur la rétine, il faut que l'objet soit entre le PP et le PR, c'est-à-dire A'B' soit situé entre le PP et le PR. C'est-à-dire que la distance, la valeur algébrique de O jusqu'à A', soit entre les valeurs limites. On a vu sur dans la diapo précédente, du sommet de l'œil jusqu'à PP, c'est 20. Jusqu'à PR, c'est 10. Et du sommet de l'œil jusqu'à la lentille, c'est 3. Donc, il nous reste de la lentille jusqu'à PP, c'est 7. Et de la même façon, on calcule de l'œil de la lentille jusqu'au PR, c'est moins 17. Donc, A'B' qui est
entre PP et PR, ce sera par rapport à la lentille, ce sera A'B', OA', O c'est le sommet de la lentille, ce sera entre moins 17 et moins 7 cm. OA', ça prend la valeur moins 17 lorsque A'B' est au PR, c'est-à-dire à 20 cm du sommet de l'œil, donc ça devient à 17 cm du sommet de l'origine de la lentille, et OA' est égal à moins 7 cm, c'est lorsque A'B' est au PP. Et dans ce cas-là, rappelons que pour la loupe, la formule de conjugaison de la loupe qui relie AB à A'B', on va revenir maintenant à AB A'B', elle s'écrit 1 sur Q moins 1 sur P égale à 1 sur F'. À partir de cette relation-là, on peut déduire que Q c'est F'P sur F' plus P. On remplace F' par la valeur qui est 3 cm et donc ça devient 3P sur 3 plus P. Qu'est-ce que P et qu'est-ce que Q? P c'est de O jusqu'à A et Q c'est de O jusqu'à A'. On vient de dire que de O jusqu'à A' c'est entre moins 17 et moins 7. On va réécrire la relation de O jusqu'à A', de O jusqu'à A', qui est en fait Q, ça devient entre moins 17 et moins 7. OA', ce n'est rien d'autre que Q dans la formule de la loupe. Maintenant, on va faire juste du calcul, ça devient calculatoire. Q c'est égal à 3P sur 3 plus P. Donc on remplace moins 17 inférieur ou égal à 3P sur 3 plus P inférieur ou égal à moins 7. On va décortiquer cette formule avec un calcul tout simple. Avant cela, rappelons que pour que A'B' soit plus grande et droite, A'B' c'est l'image de AB, il faut que AB soit entre O et le foyer objet F, c'est-à-dire de O jusqu'à A. Pardon, il faut que AB soit entre O et le foyer objet F, c'est-à-dire de O jusqu'à A, il faut qu'elle soit entre une distance qui est bien précise entre l'origine O et F. De O jusqu'à F, c'est de 0 à 3 cm. Autrement dit, ça veut dire que P qui est égal à OA, ce sera supérieur ou égal à moins 3. C'est la position extrême, c'est la position de F. De O jusqu'à F, c'est moins 3 cm. Et inférieur à 0, donc de O jusqu'à... En 0, c'est donc 0 cm P, compris entre moins 3 et 0. Ça veut dire que on ajoute 3 et 3 des deux côtés. Donc, ce sera 0 inférieur ou égal à 3 plus P, qui est inférieur strictement à 3. C'est-à-dire, cette inégalité, on rajoute 3 plus 3 à chaque membre de l'inégalité. Maintenant, on va considérer la première partie de l'inégalité, c'est-à-dire moins 17 inférieur ou égal à 3p sur 3 plus p. On avait dit moins 17 inférieur ou égal à 3p sur 3 plus p qui est inférieur ou égal à moins 7. La première partie de l'inégalité, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 3 plus p des deux côtés sans changer le sens de l'inégalité. Pourquoi? Quand on multiplie par 3 plus p, on ne change pas parce qu'on vient de trouver dans la diapo précédente que 3 plus p est positif. Donc on garde le sens de l'inégalité en multipliant par 3 plus p des deux côtés. Donc on développe et on obtient moins 51 inférieur moins 17p inférieur ou égal à 3p. On continue, donc on transpose donc d'un côté et de l'autre et on obtient p supérieur ou égal à moins 2,55 cm. On laisse ça de côté et on va considérer la deuxième partie de l'inégalité, c'est-à-dire 3p sur 3 plus p inférieur ou égal à moins 7. Pareil, on va multiplier par 3 plus p qui est positif, donc on va garder le sens de l'inégalité, c'est-à-dire 3p inférieur ou égal à 3 plus p multiplié par moins 7. On développe le calcul et on obtient p inférieur ou égal à moins 2,1 cm. En tout, p il sera compris entre moins 2,55 et moins 2,1 cm. Donc on a répondu à une partie de la question parce qu'il nous a dit entre quelle limite sera la position de l'objet par rapport à la loupe. P c'est quoi? C'est de O jusqu'à A. O c'est l'origine de la loupe et A c'est donc AB. Donc l'objet AB il sera situé par rapport à la loupe à moins 2,55 cm et entre moins 2,55 et moins 2,1 cm. Maintenant pour déduire la latitude de mise au point, comme on a vu dans le cours, moins 17, si on reprend la première inégalité, moins 17 inférieur ou égal à 3P sur 3 plus P. Moins 17 ça correspond à la position du PR et moins 7... 3p sur 3 plus p, ça correspond à la position du pp. Donc pour cette dernière-là, lorsque 3p sur 3 plus p est inférieur ou égal à moins 7, on a trouvé que p est inférieur ou égal à moins 2,1. C'est-à-dire si c'est égal, ce sera moins 2,1. Donc cette position-là, moins 2,1, ce n'est rien d'autre que p1. P c'est moins 2,1, ça correspond à la position 1, c'est-à-dire P1 égale à moins 2,1. Pour rappel, on avait dit la latitude de mise au point, elle consiste à ramener
l'image A'B' entre le PP et le PR pour qu'il soit vu nettement. Si A'B' est au PP, cela correspond à une position de l'objet par rapport à la loupe qu'on appellera P, qu'on mesurera par P1. La position de l'objet par rapport à la loupe, c'est-à-dire de O jusqu'à A. OA en position 1, ça devient OA indice 1, c'est-à-dire ça devient P1, c'est moins 2,1 cm. Et aussi, moins 2,55 cm, ça correspond à moins 17 cm. Moins 17 cm, ça veut dire que le A'B' est au PR. Si A'B' est au PR, ça veut dire que l'objet AB, il est dans la position 2. La position 2, ça veut dire P2, c'est moins 2,55 cm. Et la latitude de mise au point, c'est la valeur absolue de la différence P1 moins P2 ou bien P2 moins P1, c'est la même chose avec la valeur absolue. Et on obtient 4,5 mm. On termine par l'exercice 7. Un petit microscope optique possède les caractéristiques suivantes. La distance focale de l'objectif est 10 mm. La distance focale de l'oculaire, c'est 30 mm. Et la longueur, petit L, c'est 150 mm. Et ce microscope, il est mis au point pour la vision à l'infini. D'abord, calculer la puissance intrinsèque et le grossissement commercial de cet instrument. Puis, calculer la distance de l'objet à la lentille objectif. Puis calculer le grandissement de l'objectif, la puissance et le grossissement de l'oculaire, et en déduire la puissance et le grossissement calculés en 1. C'est-à-dire à partir de ce qu'on va calculer en la troisième question, on va déduire ce qu'on a déjà calculé pour la première question. Donc le microscope il est mis au point pour la vision à l'infini, et nous avons, on rappelle que l'objet AB va me donner A1B1 à travers la lentille objectif L1, qui A1B1 va maintenant jouer le rôle d'objet et va me donner l'image A'B' à travers la lentille oculaire L2. Cette fois-ci, ensuite, A'B' va me donner l'image définitive à seconde B seconde qui se formera sur l'œil. La vision est à l'infini, ça veut dire que A'B', il est à l'infini. Maintenant, si A'B', comme on a vu dans le cours, si A'B' est à l'infini, ça veut dire son objet. L'objet qui a donné A'B', c'est A1B1. De A1B1, on obtient A'B'. Ça veut dire que A1B1, il est au foyer objet de la lentille F2, de la lentille oculaire. Maintenant, la puissance intrinsèque, on applique directement la relation PI, c'est L sur F'1, F'2. Nous avons L, nous avons F'1, F'2, on obtient 500 dioptries. Le grossissement commercial, pareil, on va appliquer la relation du cours GC, c'est 0,25 PI et on obtient 125 dioptries. La deuxième question maintenant, quelle est la distance de l'objet à la lentille objective, c'est-à-dire O1A. L'objet c'est AB et la lentille objective, l'origine c'est O1. On nous demande de calculer O1A sans oublier que l'on travaille pour le microscope, il est mis au point pour la vision à l'infini. La relation, donc rappelons que la lentille L1 c'est AB qui me donne A1B1 en F2, la figure qu'on a utilisée en cours. Nous avons AB, l'objet, il me donne A1B1 qui est situé exactement en F2. A1B1 va me donner A'B' qui sera à l'infini. Donc, on applique la relation de conjugaison de la lentille, 1 sur Q moins 1 sur P, c'est 1 sur F'. P, c'est de O1 jusqu'à de la lentille objective, ça veut dire on travaille avec O1, de O1 jusqu'à A, et Q, c'est de O1 jusqu'à A1. Donc, la formule, donc de cette formule-là, on obtient P, c'est Q F'1 sur F'1 moins Q. Voilà, on écrit ce que je viens de dire. P, c'est O1A et Q, c'est O1A. Voilà. Donc, et on place O1, A1, c'est quoi? De O1 sur la figure jusqu'à A1, c'est de O1 jusqu'à F2. C'est-à-dire O1, F'1, c'est la distance focale de la lentille 1, c'est F'1. Et de F'1 jusqu'à F'2, c'est L, c'est égal, donc 150 et 10, ça devient 160 mm. Et donc, on remplace donc P. P, c'est F'1 plus L, la formule qui est écrite, et on obtient moins 10,67 mm. La troisième question, on va calculer le grandissement de l'objectif. Pareil, on utilise les relations du cours. Gamma 1, c'est L sur F'1. On a trouvé ça dans le. On a calculé ça dans le cours. La vision étant réglée pour l'infini. Et on obtient 15. Pour
La puissance de l'oculaire, pareil, comme on a fait dans le cours, la puissance de l'oculaire, c'est 1 sur f'2. Pourquoi 1 sur f'2? Parce qu'elle est réglée pour la vision à l'infini et on obtient 33,33 dioptries. Maintenant, le grossissement de l'oculaire, j'ai 2 CP2 fois D. Le grossissement du loop, c'est la puissance par la distance. Et on remplace par D égale à 0,25 et on obtient 33,33 fois 0,25, on obtient 500 dioptries. Maintenant, on va déduire la puissance et le grossissement calculés en 1 à partir de ce qu'on vient de calculer. Rappelons que pour la puissance intrinsèque, PI, c'est gamma 1 fois P2. On a trouvé ça pour le microscope. La puissance intrinsèque d'un microscope, on a fait ça dans le cours, c'est gamma 1 fois P2. Nous avons gamma 1 et nous avons P2, on remplace et on trouve 500 dioptries. Dans la première question, on avait mis PI, CL sur F'1, F'2. Donc on a déduit cette valeur-là de 500 dioptries qu'on a obtenue avec PI égale à L sur F'1, F'2 à partir de ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire à partir du grandissement de l'objectif et de la puissance de l'oculaire. Aussi, pour la puissance, on sait que G2 sur D, P2 c'est G2 sur D, à partir de quoi? À partir de la formule du grossissement de l'oculaire qui est devant nous. Donc, dans la troisième question, grossissement de l'oculaire G2, c'est P2 fois D, donc P2, c'est G2 sur D. Donc, on va remplacer cette formule, cette relation-là, P2 égale à G2 sur D, dans la puissance intrinsèque. La puissance intrinsèque, c'est PI, c'est gamma 1 fois P2. La ligne donc qui vient juste en dessus, PI c'est gamma 1 fois P2, on remplace P2 par G2 sur D. Ça devient PI c'est gamma 1 par G2 sur D. On fait produit des extrêmes égal à produit des moyens, c'est-à-dire PI fois D c'est égal à gamma 1 fois G2. Maintenant, PI fois D, c'est rien d'autre qu'un grossissement. PI fois D, ce n'est rien d'autre qu'un grossissement, parce que le grossissement c'est P fois D. Donc, grossissement, PI fois D, ce sera gamma 1 fois G2. On remplace et on trouve 125 dioptries qu'on avait trouvées dans la première question.